On va continuer avec les conseillers école-entreprise qui se sont joints à nous et qui vont nous expliquer un petit peu leur rôle au niveau de l'académie. Je vais les laisser présenter un petit peu leur mission. Donc, il s'agit de Pierre Lejeune et puis d'Yves Nguyen Duc qui sont présents. Donc, Pierre Lejeune qui est ingénieur d'études de symphonie chez GFI Orléans. Et Yves Nguyen Duc, qui est directeur de projets internationaux en intelligence artificielle chez IBM. Je leur laisse la parole. Bonjour à toutes et à tous. Merci à Jérémy pour sa présentation, parce qu'en fait, comme je travaille depuis quelques années aussi dans l'intelligence artificielle, je me suis retrouvé dans tout ce qu'il a pu dire, même dans la partie vers l'éducation où, depuis quelques années, on a des actions auprès des jeunes pour faire découvrir le monde du numérique, le codage en général. Donc on voit bien que beaucoup d'acteurs économiques participent de plus en plus à faire découvrir ce domaine-là auprès de ces jeunes. Plus précisément sur le rôle des conseillers entreprises pour l'école. Donc ça, c'est un dispositif qui est soutenu par... ou promu par le rectorat, puisque c'est une convention quadripartite avec le rectorat. La branche, donc Pascal Grégoire, qui représente la Syntec numérique pour laquelle nos entreprises font partie. Nos employeurs, qui acceptent aussi qu'on ait ce rôle de bénévole, et puis nous-mêmes, qui avons ce rôle. L'idée, c'est de pouvoir intervenir en établissement scolaire, donc essentiellement collège et lycée, même si nous pouvons avoir aussi des actions sous autre forme au premier degré. Et l'idée, c'est de présenter les métiers du numérique. Alors les métiers du numérique, quand on vient et qu'on présente par expérience les premières années, il y a 3 ans quand on venait, on avait des jeunes qui nous regardaient avec des gros yeux, et puis quand on parlait de chef de projet, d'architecte, ingénieur réseau, ça ne leur parlait pas beaucoup. Donc avec le temps, on a développé des approches plus ludiques, on va dire, à travers des vidéos qui représentent un petit peu le contexte. C'est-à-dire que le métier, c'est une chose, mais dans quoi on peut l'appliquer? Ça peut être l'agriculture, ça peut être pour la préservation de la diversité, ça peut être pour l'industrie. Et donc petit à petit on développe des petits scénarios qu'on leur propose, et aussi des présentations des métiers dont on peut trouver des ressources sur YouTube, qui leur permet c'est une façon de communiquer avec eux avec un langage qu'eux reconnaissent, parce que ce sont des gros consommateurs de YouTube. Et puis par bonheur, il y a beaucoup d'acteurs du numérique et même des journalistes qui produisent des vidéos pour présenter tel ou tel métier, la cybersécurité. Vous avez data scientist, vous en avez énormément. Et on s'appuie sur ces outils-là pour pouvoir faire ces présentations. Donc, sous quelle forme on fait ça? Soit à travers le forum d'orientation, donc avec la branche Pascal Grégoire, on a fait 2 années de présence à travers un stand d'espace numérique où on reçoit et on rencontre des collégiens et des lycéens pour leur parler de différents types de métiers. Alors, en fonction, selon que ce soit un collégien ou une collégienne ou un lycéen, une lycéenne, le niveau de discussion est totalement différent. Donc on essaie de s'adapter, et puis par expérience, on arrive à ajuster cela. Autre type d'action que l'on peut avoir, c'est des forums à l'intérieur d'un établissement. Donc on peut être sollicité par des chefs d'établissement avec des professeurs principaux qui organisent un forum sur une demi-journée. Ils font venir différents acteurs de différents métiers. Et puis on vient, il y a selon les mécanismes, table ronde, mini-stand, et on est là pour répondre aux questions des élèves 4e, 3e, qui viennent nous voir. Et puis dernier dispositif, qui est finalement pour moi le plus intéressant, c'est-à-dire intervenir dans un établissement sur une classe, sur plusieurs classes, sur des périodes qui sont dédiées. Donc en général, on arrive à faire des interventions de 45 minutes pour une classe, où effectivement, on va passer en revue différents types de métiers. Il y a des systèmes où on fait des quiz, donc ça les met un petit peu dans l'action, des énigmes où on crée des mécanismes d'échange où ils ne sont pas là pendant 45 minutes à juste écouter quelqu'un parler. Donc il faut les rendre aussi acteurs. Et puis, quand on parle de métier du numérique, ce que Jérémy disait aussi, c'est qu'on ne peut pas avoir la même présentation à tout le monde de la même façon, parce que vous avez des jeunes qui sont très intéressés par les maths, le numérique, et d'autres pas du tout.
Et comment on ajuste ce type de différence? Eh bien, en ayant certains échanges, en prenant au hasard certains individus, et vous leur demandez, ben, qu'est-ce qui t'intéresse? Une jeune fille qui me dit, je voudrais travailler dans les animaux. Alors, notez bien qu'elle n'a pas dit vétérinaire, je dis, ok, animaux. Ça t'intéresse pas le numérique? Non, pas du tout. Eh bien, imagine que demain, je te propose de travailler pour, par exemple, fabriquer des prothèses pour des chats et des chiens. Et pour ce faire, j'ai besoin de technologies, j'ai besoin de gens qui puissent venir m'aider à faire du développement. Est-ce que ça t'intéresse? Alors, elle ne dit pas oui, elle ne dit pas non. Mais le moment qui m'intéresse, à ce moment-là, c'est quand ses yeux s'écarquillent et qu'on a, pendant une microseconde, cette interrogation qui est le moment du possible. Alors, je ne sais pas ce qui va en résulter, mais nous, quand on intervient dans ce genre d'action, c'est ce moment-là qu'on recherche. Et vous avez aussi la même chose avec des gens qui sont très passionnés par le développement. Qu'est-ce que tu veux faire? Développeur. Ah ben super. Développeur de quoi? Jeux vidéo. T'es sûr que tu peux faire autre chose? Non, non, jeux vidéo. Ben écoute, imagine que moi, demain, je te propose de venir faire le développement pour le prochain film des Avengers. J'ai besoin d'un développeur. Ça t'intéresse pas? Ah ben si, pourquoi pas. Ou alors, je lui dis, ben, demain, tu vois, on est en train de parler des véhicules autonomes. On est en train de développer un projet. Ça t'intéresse pas de venir nous rejoindre pour participer à ce projet? Bien sûr que ça l'intéresse. Donc, quel est le rôle que l'on a dans ce travail-là quand on intervient? C'est de leur mettre aussi un contexte. C'est-à-dire d'essayer de s'ajuster au mieux quand on est capable de récupérer ces informations de leur part. C'est de dire, est-ce que nous, avec notre expérience et notre connaissance, on n'est pas capable de leur donner une ouverture sur ce que peuvent représenter les métiers du numérique dans un domaine qui les intéresse. Parce que si on n'emmène pas un contexte, on aura du mal à les attirer, à les intéresser. Et à ce stade-là, notre objectif, c'est vraiment de les intéresser au sujet. Donc, Laurent Neveu, qui est le contact de rectorat, et aujourd'hui, quand on est sollicité, soit au travers des échanges qu'on peut avoir avec les établissements, soit par Laurent Neveu au rectorat, vous avez les informations sur le site du rectorat. Vous pouvez faire appel à des conseillers entreprises pour l'école. Pour intervenir, les modalités, on peut rediscuter en fonction de la façon dont vous souhaitez au mieux ajuster en fonction de l'établissement, de l'audience. Et voilà. Donc, Pierre nous a rejoint il n'y a pas longtemps en tant que conseiller entreprise. Je vais lui laisser la parole pour qu'il partage avec vous un petit peu les raisons qui font qu'il nous a rejoint dans ce type d'action. Merci Yves. Alors moi, comme il l'a dit, je suis tout récent. C'est ma première vraie intervention dans ce rôle de conseiller école-entreprise. Moi, pourquoi j'ai voulu apporter ma pierre à l'édifice, c'est que j'ai un parcours scolaire qui est assez classique, on va dire, collège, lycée avec un bac S. Et après, j'ai directement trouvé ma voie. Je suis parti sur des EUT, des universités sur Paris, et j'ai obtenu mes diplômes. Et en fait, durant mon parcours, principalement post-bac, il y avait beaucoup de gens avec qui j'ai discuté qui, quand on leur demandait pourquoi ils étaient en informatique, ils ne savaient pas pourquoi. C'était parce que il n'y avait que ça de disponible, ou bah, ils se sont dit que ça les intéressait, voilà. Et même encore aujourd'hui, quand je me rends sur des salons assez régulièrement, comme demain les Human Tech Days, ça m'arrive régulièrement de rencontrer des collégiens, des lycéens, qui soit sont en recherche de stage ou d'apprentissage selon les contextes. Bah, quand on discute avec eux, des fois, bah, ils ne savent pas vraiment ce que c'est l'informatique. On discute avec eux, ils adorent les jeux vidéo. Bah, du coup, comme disait Yves, ah bah, moi je veux travailler dans les jeux vidéo. Ah d'accord, mais tu sais ce qu'il y a derrière? Bah non, donc on discute avec eux, on leur explique, et du coup, effectivement, ça les intéresse, et ils sont un peu mieux fixés sur quelle partie des jeux vidéo ils veulent faire. Est-ce qu'ils veulent faire du design de jeux vidéo, coder les moteurs de rendu, ce genre de choses. Enfin, ça les aide à préciser un petit peu leur parcours après le bac, et je trouve que c'est très important bah, qu'ils soient fixés, même si c'est, à la limite, moi je suis même partant pour dire, même si au final ils se disent non, au final l'informatique c'est pas pour moi. Mais au moins qu'ils aient une meilleure idée sur ce que c'est, parce que c'est un métier quand même qui est très vaste, il y a énormément de choses. On parle d'infrastructure, donc avec des serveurs, des PC, ce genre de choses. On parle d'applications, machine learning et intelligence artificielle. Enfin, le champ des possibles sur l'informatique est vraiment très vaste. Et c'est vrai que si on ne leur donne pas un minimum d'informations de par nos retours d'expérience ou de ce qu'on a eu comme information, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué pour eux de trouver leur voie, alors que si on leur donne, bah, potentiellement, on va les aider à savoir ce qu'ils voudront faire demain, définir leur parcours scolaire pour le restant de leurs années.
Voilà, c'est la raison pour laquelle moi j'ai voulu apporter ma pierre d'édifice, même si je suis encore assez jeune dans le domaine, et j'espère pouvoir arriver à faire ce que je veux. Merci beaucoup.